Bonjour, chers apprenants. Moi, Saïba Mariam, je suis professeur de français de l'Institut des ingénieurs d'irrigation et de la mécanisation de l'agriculture de Tachkent, du département des langues. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter le thème qui s'appelle Carte écologique des grandes villes. Les chercheurs ont décidé de définir les critères d'après lesquels on peut mesurer le degré de santé de l'homme vivant dans une grande ville. Sur la base de ces recherches, les savants cherchent à établir les cartes écologiques de la ville. Elles refléteront l'état de l'environnement et on pourra les mettre en œuvre. Toute l'activité des chercheurs repose sur les observations et les données accumulées de jour en jour par le Centre de météorologie et la station sanitaire et épidémiologique de la ville. Plus de 60 postes automatiques recueillent l'information relative à l'état du milieu urbain, à sa pollution par la poussière, les résidus et le gaz. Ces données sont portées sur des cartes, sortes d'atlas de l'état de santé de la ville. Leur rôle consiste à déterminer l'influence de la pollution sur la santé humaine. Dans une ville, la situation écologique peut varier d'un moment à l'autre. La pollution peut atteindre des proportions menaçantes. Rappelons-nous, le smog londonien tristement célèbre en 1925 qui fit 5000 victimes. En l'absence de vent, la concentration des nuisances sur des autoroutes décuple. Il faut alors prendre des mesures urgentes. On doit avoir sous la main tout un ensemble de moyens commodes à mettre en action. Les chercheurs estiment qu'on apparaîtra bientôt des médecins écologistes qui, faisant le bilan de santé d'un sujet, lui donneront des instructions en se basant sur les cartes écologiques. Plus loin, les mots nouveaux, les questions et les exercices. Traduisez en français, traduisez du français en ouzbek, dialogue, cluster. Et le nouveau thème du grammaire, c'est les adjectifs démonstratifs. Ce sept, c'est le pluriel. L'adjectif démonstratif emploie sept. On emploie sept devant tous les noms féminins singuliers. C'est, on emploie sept devant tous les noms pluriels, masculins ou féminins. Le S est prononcé Z devant une voyelle ou un H muet. Il n'est pas prononcé devant une consonne ou un H aspiré. Ce pantalon, cet ordinateur, masculin singulier. Cette veste, féminin singulier. Ces pantalons, ces ordinateurs, masculin pluriel. Ces vestes, féminin pluriel. Adjectif démonstratif singulier. Ce, masculin, devant une consonne, ce chien est beau. Masculin, devant une voyelle, cet arbre est grand. Féminin, cette ampoule est allumée. Adjectif démonstratif pluriel, c'est, ces chiens, ces arbres, ces ampoules. Et les exercices, complétez les phrases avec l'adjectif démonstratif qui convient. Complétez avec les adjectifs démonstratifs ce, cet, c'est. Ici encore, exercice sur les démonstratifs. Et les tests. Adjectif démonstratif.
C'est la fin de notre leçon et le devoir à la maison, vous devez lire le texte et traduire, apprendre par cœur les mots nouveaux, faire les exercices et apprendre le dialogue. Merci beaucoup pour votre attention. Au revoir.